Vous voulez qu'on recommence à quelle partie quand même? On arrive à la dernière zone, vous êtes à la porte, vous essayez de faire ça discretos. Je garde cette partie-là où vous essayez d'ouvrir la porte sans faire de bruit et ça fait quand même un bruit. Et que vous alertez l'ennemi dans la salle. On recommence à partir de là, est-ce que ça vous arrange ou... Je voulais refaire une partie. Je sais pas, moi je dirais qu'on recommence là où on en était exactement, non? Ouais, on peut reprendre la baston. C'est vrai Par qu'on a rapport à... rushé un peu à la fin. Bon, voilà, mais Ah, c'est pas non par plus rapport, ah, n'importe quoi. par Ça rapport au rush, ah ouais, non, mais c'est va. relatif. Ouais, on a pris un peu de notre temps, bah, c'est pour ça que ça qu'on n'a pas fini, donc... Je vous demande pour Donc, ouais. ça, où est-ce que vous voulez qu'on recommence? On commence là où on s'est arrêté Ah ou... bah sur le Ouais. ta gueule, et puis bah, je prends le Sur le combat. tout Ok. Alors on recommence sur le combat. Donc je vous remets dessus. Donc c'est comme ça. Donc Grenon, le capitaine Grenon, vous pointe de sa lame et il essaye de parler avec vous. Et Toruk a juste dit ta gueule et lui a foncé dessus. Ah, c'était la rusée hein, qui a dit ta gueule. Ouais, Ouais. c'est Ouais. arrivé. Globalement, on avait tous la même idée, mais Oui. effectivement. Ouais. Ça a été verbalisé par la rusée. Ok, là, vous avez juste entendu la rusée dire ta gueule, et Toru qui continue à se ruer. Oh, il faisait des pas en avant, ouais. Ouais. Ah, Donc. du coup, je dirais bien un truc. Hey, la rusée, ferme la porte avant qu'on le pète, quoi, tu vois. Ok. Parce que si les mecs déboulent par paquet de vin. Par paquet de 20 encore, ça irait. Ouf, oui. C'est par paquet de 50 ou ça va être embêtant? Je vais vous faire alors faire un jet de 20. Un jet de 20 et moi je vais faire les 20 jets de 20 alors pour le paquet de 20 qui arrive. Alors, Hein? de limite, tu veux dire? Avec d'initiative, Ouais. un jet d'initiative tous. Oh! Donc, la rusée, un 12 pour Geoffrey, un 6 et Toruk, un 15. Ok! Donc, Toruk, tu te ruais, tu t'es arrêté quand, le voyant décapiter son allié, tu as compris que c'était ennemi, tu continues quand il a foncé, C'est ça. mais. Donc, est-ce que. En te voyant foncer sur lui, et vu que tu lui laisses pas le temps de discuter, ton ennemi, ici aussi, ok, baston, et il fonce alors sur toi lui aussi. Je l'ai jamais aimé, lui, de toute façon. Et il essaie de te donner alors un coup avec son épée, et il te loupe. Il essaie de te donner un coup d'épée, il la tient au-dessus de sa tête et il essaie de la battre sur toi et tu la dévis avec ton bouclier sans difficulté. C'est maintenant à ton tour. Bon, du coup, ça va être un peu méta, mais bon, tant pis. Mais en même temps que je dévisse son cou avec mon bouclier, je laisse filer le bouclier. Donc je me débarrasse du bouclier. Je fais rentrer en rage. Et donc, je suis en rage et je vais faire la totale, donc témérité et. Témérité et frénésie. Mais donc là, je n'aurai qu'une attaque. Donc allons-y. Donc je fais une attaque à deux mains. Avec avantage. Je fais 22 pour toucher. Alors, tu as fait 22 pour toucher, mais pas du tout touche. Et donc c'est 9 plus 2, 11. 11. Ouh, ça fait très très mal ça. 11. Ok. Donc, tu le frappes avec ta hache. Tu le touches au niveau de la poitrine. C'est un sale coup, mais. Tu vois en fait qu'il est habitué à recevoir de sales coups, ça va encore aller, il est toujours prêt, toujours taqué à se battre. La rusée, que fais-tu toi? Je vais barricader la porte. Ça me prend combien de temps? Barricader la porte,
En fait, le problème, c'est que tu n'as pas grand-chose autour de toi pour barricader la porte, donc. Mais dans la salle, tu remarques quand même qu'il y a des petits morceaux, il y a des squelettes parsemés, donc si tu prends quelques os pour le faire, on peut dire que je peux te laisser faire ça comme action et après bouger, mais tu pourras pas bouger très loin. Je vais faire ça, je vais ramasser par exemple les os, c'est ceux-là les plus près. Ramasser Bon, j'ai pas quelques mis. murs. J'ai pas. Ok. J'ai pas mis partout des os parce que bon, je vais pas la remplir la map d'os, mais on va dire qu'il y avait les os quand même un peu ici, parsemés autour de toi. C'est plus proche était comme ça, six trucs de toi. Donc je vais ramasser deux fémurs, parce que c'est un peu des plus gros os qui vont être solides. Et je vais bloquer la porte comme je peux avec ces fémurs. Et est-ce que je peux me diriger ici? Alors, tu peux te diriger vers cette direction et je vais te laisser te diriger à peu près à cette distance, 15 feet à peu près. Ok, bon, ben, je vais faire ça, je vais me mettre là et je vais sortir mon arc Ok. en même temps. Ok, c'est maintenant au tour de Jeffrey. Que fais-tu? Alors, moi, je tac, et je tac, et je l'attaque. Ah, t'as l'avantage, hein. Enfin, je sais pas si tu joues avec la tenaille et tout ça, mais. Ah bah si, bon là j'ai fait un Bon. petit peu le tour pour vraiment être derrière, mais de on toute va manière faire. si j'étais là ou si peu importe où j'étais, quoi, il y avait la tenaille, quoi. On va faire la tenaille, oui. Je vais pas. C'est quand même un sacré avantage. Je vais pas dire, il est entouré d'ennemis. Bon, il n'y a pas d'avantage, hein, il a son problème. Hein. C'est un Bruce Lee des temps anciens. Ah, tu loupes. Tu À loupes. 24? Non, moi je l'ai touché à moins que ça. Ah oui, non, c'est vrai, l'avantage, j'ai mal compris. C'est important l'avantage. J'ai oublié l'avantage. Ah, c'est bien que je dis qu'il y a Ah, l'avantage pour c'est pour s'oublier. ça, Hein. moi de toute manière, là je cherche l'avantage à tous les coups avec Ah mon oui. perso. Ah bah ça Non, non. peut ça trigger ta sournoise. En plus. Sournoise, attends, la sournoise, c'est pas quand tu prends par surprise. Si aussi, c'est du moment que j'ai un avantage, en fait, je peux utiliser la sournoise. Ah ok, alors fais ton jet de dégâts alors avec le bonus. Donc 7 et la sournoise c'est combien encore? 6. 6, donc 13 points et vous faites très mal en début de jeu. Ouais, mais en Très fin de très jeu aussi, tu vas voir. mal. En début, je veux dire, oui, bon. On vient de recommencer, c'est ça que je veux dire. Ok. Ouf. Alors le pauvre, il se fait frapper par l'avant, il se fait embrocher par l'arrière. Donc en fait, là, il est vraiment, vraiment en colère et tu vas souffrir. Tu vas souffrir, toi, Geoffrey. Ou non. Non. Ah non, j'ai mieux. J'ai beaucoup mieux. Alors, il va utiliser une attaque. On va voir si je réussis au moins à la faire. Yes, je réussis. Ok. Alors, vous voyez le capitaine Grenon en train de s'énerver. Il rejoint ses mains l'une près de l'autre. Et vous voyez une forme. Une sorte de sphère. D'ombre se former et il la prépare et tout à coup elle explose à une distance de 15 feet qui Il vaut fait, il fait, il fait une attaque magique là, c'est ça? oui une sorte d'attaque magique en effet. il a des avantages quand il est engagé. T'as pris en compte? Ouais, c'est ça, il y a pas des attaques d'opportunité ou des conneries comme ça dans des D5? Je sais pas, je demande. Pas en cinquième, Alors non. ah, ok, d'accord. Malheureusement non. Par contre, le fait d'être engagé, il a des avantages. D'accord, ok. En effet, il a des avantages et il a fait un 19 par contre. Ouch. Oula, mais... Donc, ce qui va se passer, c'est que Toruk et Geoffrey, vous allez me faire un jet de sauvegarde de sagesse. J'ai de sauvegarde, ça va. J'ai pas de malus. Contre, c'est la sagesse. Et 16. Alors 16, ouh, toi tu as aucun problème.
Geoffrey, par contre, toi, tu te fais toucher. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que, par exemple, la rusée qui est à distance voit, c'est une sphère exploser et faire un grand cercle autour de vous tous. Toruk, toi, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu te regardes, tu n'as aucun dégât. Par contre, quand tu regardes Geoffrey, tu vois que Geoffrey, lui, a peur. Et tellement, tellement peur que il est limite en train de se faire dessus. Il a envie de fuir. Tu vois dans ses yeux, tout son courage s'est enfui. Il a peur. Tu as envie de t'enfuir, Geoffrey. Je le fais, du coup. On va dire que tu te prépares à t'enfuir, oui, en D'accord. effet. D'accord, ok. Ce qui va se passer, en fait, Geoffrey, c'est que maintenant, à chaque tour, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais. Si tu le réussis, tout ira bien. Tu reprendras ton courage et pourras à nouveau te battre. Si tu échoues, tu auras toujours peur. Ok. Il faut que tu atteignes une distance de 16 feet pour pouvoir avoir un avantage sur ton jet de sagesse. Un avantage ou... Ok, d'accord. Un avantage pour, okay. Pour te remettre de tes esprits. D'accord. Mais dès que tu essaieras de te fuir, le problème c'est que maintenant tu as peur, tu n'as pas envie de l'attaquer, tu n'as pas envie de t'approcher de lui, donc la seule chose qui te reste, c'est la fuite. Et tu ne peux pas te désengager. Donc dès que tu essaies de te fuir, il aura une opportunité. Ok. Et il est obligé de fuir ou il peut faire un truc où il se défend uniquement? T'as une action de combat qui est de juste je me défends. Alors oui, il peut faire ça et il aura donc un avantage si jamais il se fait attaquer. Mais s'il se défend, le truc c'est qu'il a la peur de sa vie, donc il pensera pas trop à bouger, il pensera surtout à se mettre en boule et à se protéger de toutes les attaques qui peuvent venir vers lui. Okay. Je pose la question parce que le fait de fuir, ça provoque une attaque d'opportunité. Et en fait, quand t'as peur, tu te mets pas plus en danger, tu vois. Donc c'est ça, je pose toujours la question de... C'est un peu con de se mettre plus en danger sous prétexte de fuir, quoi. Bon. Il a tellement peur, en fait, il sait pas quoi faire. D'accord. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. J'ai qu'une envie, c'est de fuir. C'est de fuir la source de ma peur, se voir lui. Et, c'était... Oui, c'était son action. C'est au tour maintenant de Toruk. Toruk, alors, ton ennemi, devant toi. Que fais-tu? Donc, j'ai vu qu'il était paniqué, Geoffrey. Tu as vu la panique dans ses yeux, oui. Tu comprends pas ce qui se passe dans sa tête, mais tu vois, tu as vu dans son visage que tout son courage s'est évaporé. Et le monsieur en face de moi, il a l'air... Il saigne un peu, il a l'air blessé ou il a l'air prêt? Il a l'air blessé quand même, mais ça va encore aller, il peut encore encaisser. Tu vois qu'il peut encore encaisser, qu'il est prêt à se battre, à découdre avec toi. Ok, alors, en même temps je suis en rage. Alors je vais tenter un truc, je vais... comme j'ai deux... Ouais. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais essayer de me pousser par là. Utiliser mon action pour repousser le mec. Le suivre avec mon attaque bonus, le taper à la hache. Alors en gros, je veux sacrifier une de mes attaques pour repousser le mec. Ok. On va dire que tu vas faire un jet de force. Et si tu fais... s'il est assez haut, ton résultat est assez haut... Je suis prêt à te faire un petit. À te laisser faire quelques dégâts, à te faire lancer un dé de 4 pour voir si tu fais quand même mal en le repoussant. Mais il faut que tu aies un bon résultat. Et si je rate le jet, il se passe quoi? Alors, si tu rates le jet quand même, forcément il est prêt à se battre, donc tu essaies de le pousser, il va quoi, bouger de quelques centimètres, et il va juste se rigoler. Dans ce cas, je fais pas ça. Non, pourquoi? Parce que je suis déjà fatigué de mon précédent combat et donc j'ai un désavantage sur tous mes jets de caractéristiques. Donc si c'est pas un jet d'attaque, je le fais pas. Forcément, si tu sacrifies une action d'attaque pour juste le repousser,
Tu peux aussi me dire que tu veux le frapper et essayer de le frapper avec assez de force pour créer de la distance. Là, tu peux le faire. Mais alors là, ce sera pas une attaque avec la hache, ce sera plus des coups de poing que tu essaieras de lui donner. Ou Ben, ça un me coup de va. pied alors. Moi, Ça te je va? veux bien ça. Ce que je veux, c'est que qu'il n'engage plus Geoffrey. Ok, alors on va dire que tu te déplaces et tu essaies de lui donner un coup de poing, un coup de pied pour le déplacer. Ok. Donc la première Alors. attaque, ça sera pour le déplacer. Et puis, ben, s'il bouge, je le suis. Et la deuxième attaque, ça sera avec la hache. Donc, première attaque. Je fais... Un jet d'attaque ou je crois pas que t'allais. Ah, fais-moi un G20, on va dire que ça c'est l'attaque. Parce Ok, que c'est. Ouais, c'est. j'enlève le plus 5, c'est ça? Attends, t'as sur ta fiche de personnage le plus J là? Non. Tu as ton. Arnen, Attends, dans maîtrise. les actions de combat, repousser, je peux regarder, j'étais dessus tout à l'heure. Voilà, du coup, je plombe le combat, désolé. Problème. Attaque d'opportunité, bousculer une créature. Vous pouvez utiliser l'action attaquer pour porter une attaque de corps à corps spéciale, consistant à bousculer une créature, soit pour la faire tomber à terre, soit pour la repousser loin de vous. Non, cette attaque, voilà, c'est une seule. La cible de la champ. Est-ce que tu as un avantage dessus? Ah non, c'est un test de force, effectivement. Ce serait un test de force, pas un jet d'attaque. Ok, ben laisse tomber. Je vais faire. Désolé pour ça, c'était. Ben voilà, ben, je vais faire deux coups de hache dans sa gueule et puis on va pas faire. On va financer. On va faire les deux coups de hache alors. Et c'est très Désolé. bien. Désolé, voilà, faut pas que je réfléchisse en fait, faut que je fasse les trucs simples. Donc toujours pareil, à total. Donc je prends l'avantage, je suis à deux mains. Ouf. 21 pour toucher. Bah, tu le touches. 11 et 2, Ouh. 13. Ouh. C'est quoi ces G? Monstre. Ok, ça c'était la première. Ah non, C'est ça. t'as fait oui, la Non, première attaque. j'ai deux attaques. Parce que Ah, je suis c'était. frénétique. Ok. Donc tu fais 13 de dégâts en tout. Deuxième attaque. Je fais 21 pour toucher. Oh. Je fais 6 et 2, 8. Je 8. faiblis un peu. Ok, bon, oh non, tu l'as sacrément faibli là. Hein. Tu lui donnes deux coups de hache et en fait, au deuxième coup de hache, tu vois faire plusieurs pas en arrière. Et en fait, limite en train de s'effondrer sur lui-même, il arrive à se retenir plus ou moins avec sa grande épée. C'est maintenant au tour de la rusée. Tu vois que Toruk a très affaibli votre ennemi. Que fais-tu? Je vais me mettre sur ce promontoire et je vais tirer à l'arc sur. Ah. Alors, bon, ça se voit mal vu la map, parce que c'est. Mais en fait, c'est Oh, des colonnes. Ah non, je peux pas monter dessus alors. Non. Non. Oui, c'est des colonnes en fait. Non, tu peux Ah pas mettre mince. dessus. Je croyais que c'était des tombeaux, tu vois. Je trouvais ça classe. Ah non, non. Non, alors je vais rester à plus de 15 mètres parce que du coup j'ai vu la bulle. Et je vais leur dire d'ailleurs, on a affaire à un sorcier, les gars, restez pas trop près. Et donc je vais tirer à l'arc sur notre cher capitaine. Et on va voir ce qui se passe. Alors juste un instant, j'arrive, Il c'est là. est en train de souffrir, non mais sérieusement, non mais Oui! Ah, Oh la vache. Après, les Efficace. dégâts. On s'est réservé pour le combat de fin, hein, c'est tout, voilà. Ah ouais, bah la vache, un 5 en plus. Non mais sérieusement. Ah, mais là, tu lances ta flèche et ta flèche, en fait, elle lui atterrit en pleine mâchoire. En pleine mâchoire, donc là.
Là, il est sur le point de s'effondrer. Vous voyez en fait qu'il est vraiment en fin de vie. Ça continue, il va mourir. Il va mourir. Il est sur le point de mourir. Donc, vous sentez vraiment en confiance, sauf toi, Geoffrey. C'est à ton tour, Geoffrey. Donc, que vas-tu faire? Bon. Alors, attends, je le fais maintenant, le jet de sauvegarde ou après? Oui, tu peux me faire maintenant le jet de sauvegarde. C'est maintenant? Ok. Sagesse. Oh, ben voilà. Je sais pas trop, mais je pense. J'aurais dû dire après. Bah oui, mais c'est pour ça, c'était super important en fait. Ah ouais, Ouf. Ok, mais le 20, oh la vache, mais. Ok. Bon, on va dire que tu secoues la tête et tu reprends tes esprits sans problème. Tu te sens à nouveau prêt d'attaque. Tu te demandes même toi-même pourquoi j'ai eu peur. Que fais-tu alors maintenant? J'attaque. Bah voilà. Fais-moi j'ai de dégâts. S'il te plaît, fais-moi. Et il a fait 11! Et super! Putain! Quasiment maxé quoi. Comment est-ce que tu le termines? Et bah, sur le coup, il est à moitié genou à terre et il a à moitié paumé son arme déjà là. Il était comme ça hein, quand. Ouais, après le coup et puis la flèche qu'il a pris dans la tête là ouais. Ouais, en fait là limite au niveau du moment où tu t'approches devant lui là il est juste en train de dire merci là je suis en train de souffrir là hein. D'accord ok bah sur ouais je fais quelque chose de très étrange me suis arrivé oh putain non mais c'est pas possible trop fatigué quelque chose de très étrange m'est arrivé et du coup bah oui hein, je l'achève. Je l'achève. Il est à genoux comme ça. J'ai ma rapière en contre dans mon dos un petit peu. Puis, je la ravance hein, simplement. Quoi. Puis, je le plante au cœur. Bon, voilà, on va pas jouer quoi. C'est. Il s'effondre. Vous voyez une mare de sang en train de s'écouler de son corps. Alors. Et ces derniers mots seront. J'ai seulement essayé de tous nous sauver. Et il meurt. Alors, le boss, j'ai enlevé un des deux boss parce que j'ai cru que ça allait être trop difficile. Et si vous me faites des trucs comme ça, alors la vache. Donc. en tombant, bien sûr. Voilà, vous vous rendez compte, vous êtes les seuls survivants maintenant, vous avez réussi. Qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Eh bien, je lui braque sa bourse, hein, avec la photo de sa femme. Non, mais faut l'embarquer. Ah merde, oui, il faut l'embarquer. Non, on a pas besoin. Non, la photo, c'était bon. Juste la photo, c'était bon? Oui, okay, c'est pour ça que je demandais au début s'il avait sa photo. D'accord. Bon, bah, on va prendre quand même son plastron. Hein. Voilà, on sait jamais quoi. Dès le début, il voulait le tuer, ton requin. C'est vrai en plus. Oui, c'est à fond. Ah, mais ouais, non, mais c'est avec la clé, il était bizarre de toute manière. Il était insistant, vraiment. Donc, du coup, je regarde sur le cadavre du type, là, s'il n'y a pas un trousseau de clés hein, pour la pièce d'à côté. Et puis, Lui, il a plus de plastron et il a plus sa bourse. Bah, en effet, tu trouves la trousseau de clés sans problème. Nickel. Et vous voyez à votre droite, bien sûr, la machine. Vous voyez, milieu de juste devant vous, en fait, une sorte de console avec plein de boutons. Vous comprenez pas trop ce qui se passe, mais il y a plein de lumières, toutes jolies. À droite et à gauche, vous avez l'air des sortes. Vous comprenez pas ce que c'est, ça. C'est des sortes de turbines, mais vous n'avez jamais vu ça de votre vie, avec des pentagrammes et des symboles bizarres dessinés dessus, magiques. Vous voyez à l'intérieur des pierres magiques qui sont tout le temps en train de tourner sur elles-mêmes. Et à droite et à gauche, bien sûr, la machine, vous voyez pourquoi ils ramassaient les cadavres, ils utilisaient le sang alors. Vous voyez le sang couler à l'intérieur de la machine lentement.
Et au milieu de cette machine, vous voyez alors une espèce d'antenne qui pointe vers le haut et une sorte de magie blanche qui en sort et qui mène vers un portail. Le portail en fait de cette magie blanche et vous voyez à travers ce portail un monde rempli de neige. Et c'est de ce portail que sort toute la neige et tous ces nuages qui créent ces dérèglements météorologiques. D'accord. Ok. Bon, eh bien, faisons Normal. péter cette chose. Normal, il y a un gros bouton rouge dessus, il paraît. Ouais. Oui, c'est pour arrêter. Donc, vous allez récupérer les bombes. Ouais, si on a la clé pour ouvrir, ouais. Oh oui, Oui. je ferai les bombes. La clé, pardon. Y a pas de bruit derrière la porte? Alors, en sortant, vous n'entendez pas trop de bruit. En montant non plus, vous ne voyez personne, vous n'entendez pas de bruit. Il a fait un sacré diversion, nain. Et aussi, le combat s'est roulé très vite. Donc, mais en allant chercher les bombes, Geoffrey qui se remet en route. Tu entends quand même les cartes revenir en train de dire. Non, mais sérieux, on n'a même pas réussi à l'avoir, ce nain. Comment c'est possible? Et il a disparu d'un coup. Il est entré dans sa chambre et après, il a disparu. Mais depuis quand quelqu'un avec des si petits pieds peut être aussi rapide? C'est quoi cette histoire? On les entend juste là ou ouais. Ouais, tu les entends derrière toi pendant que tu descends les escaliers. Donc, quand tu reviens, il y a la bombe. Hein. Ouais. Donc il revient avec la bombe, en effet. Et tu as une grosse bombe avec une très longue mèche qui vous laisse quand même le temps de vous enfuir. Bon bah, je place la bombe. Je sais pas trop, hein, à l'endroit le plus qui semble le plus le plus faible et le plus explosif, je ne sais pas. Bah, tu poses au-dessus de la console, c'est un peu au milieu de Voilà. presque toute la machine. Voilà. Donc J'appuie t'aurais. sur le bouton. Je regarde si les camarades sont prêts à fuir. Et si c'est le cas, j'allume la mèche. Ouais, je suis Et je me d'accord. précipite. Et on sort par le petit chemin secret là. Ouais. En montant les escaliers, vous bousculez en fait les deux gardes qui comprennent même pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui descendent là. Et ils vous crient dessus, hey! Et vous suivez le même chemin que le nain, rentrez dans sa chambre et disparaissez sous les yeux des gardes. Eux aussi comprennent pas comment c'est possible, tout le monde arrive à s'enfuir. Et après, une fois que vous ressortez et que vous vous éloignez dans la forêt, après une petite minute, vous entendez une énorme explosion. Hein. Et vous entendez plein de cris de douleur qui viennent de très loin. Vous avez compris que vous avez accompli votre mission, en effet. Et du coup, la neige s'est arrêtée. Et là, du coup, la neige s'est arrêtée, en effet. Vous voyez plus aucun nuage. Les nuages commencent à se dissiper, en fait, juste au-dessus de vos têtes. Vous comprenez que vous avez réussi votre mission, que bientôt cette région sera de nouveau comme avant. Je vous laisse retourner aussi au village. Une fois de retour au village, les nuages ont eu le temps de se dissiper. Et cette fois, il n'y a pas que deux simples gardes qui vous attendent aux portes, mais au contraire, tout le village, ainsi que le maire, tout fier, tout content, en train de vous applaudir, de crier vos noms. Et cette fois, c'est les héros! Oui! Je lève un peu les mains de façon papale comme ça, oui. Comme, oui. Comme le Don Corleone, oui. Moi, je traîne la patte hein, Aimez-nous, depuis. aimez-nous. J'avance lentement depuis le combat à récupérer. Le maire s'approche de vous. Ah, vous voilà de retour, aventurier. Nous avons vu que vous avez réussi votre mission. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous sommes à nouveau saufs.
Avez-vous ce que je vous ai demandé? Avez-vous les pierres et les 250 pièces d'or? Les 250, je crois qu'il nous les a déjà filés. Ah non, je sais plus. Non, 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 Non. non. Non, non, c'était pas ça, ok. Il te fait une sale tête. Oui, j'ai tout. Lars vient. Lars arrive avec une très, 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 une énorme bourse dans ses mains. Il sait pas à qui l'a donné. Il tend les bras et il attend que l'un d'entre vous prend la bourse. Je prends la bourse. Tu vas lui faire peur, hein, ce petit. Et il Non, mais au s'approche moins de. pour une fois, il sert à quelque chose. C'est bien. Oh non! S'approche de Geoffrey et il te tend alors les trois pierres. jolie pierre, merci, merci Lars. C'est bien aimable à toi. Et maintenant, votre tour, aventurier. Il tend la main, le vieux maire attend la main en attendant. Oh, je sors la clé de ma poche et je lui dis, c'est cette clé? Oui, c'est cette clé. Merci beaucoup. Et encore, vous avez C'est toi, quoi? Torouk, qui avait. Non, c'est vous qui avez pris le portrait de... Ah Ah ouais? ouais. Je l'avais pris dans. Bah, quand je dis je prenais la bourse, parce qu'il y avait le portrait dedans, mais bon, ouais. Ah, d'accord. Bon, ben, Ouais. oui. Donc, la clé. Je lui dis, C'est bah, fait. du coup, cette clé ne servira plus, hein, visiblement. C'est même une certitude. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Il te fait une grimace. De Une quoi vous grimace? parlez? De quoi vous parlez? Elle est inutilisable, cette clé. C'est pas une véritable clé, c'est plus une décoration. Non, c'est une véritable clé, monsieur le maire. Elle est où la porte? Elle ne servait pas à ouvrir une porte. Je suis trop vieux pour ces choses. Bref, la photo ou le corps, vous savez. Le maire de merde. Je suis trop vieux pour m'occuper des histoires du village. T'es con quoi. T'es le maire. Et puis bah, du coup je sors la photo du capitaine Grognon. Capitaine Grognon. Oh là là. Et il te prend la photo et tu vois alors sur ce visage un air très triste. Ah, le pauvre capitaine, c'était un homme très bon, un homme parti en guerre, il nous a toujours protégés. Est-il mort dans les honneurs au moins? Ah, je peux vous dire que c'était un homme qui était parti en guerre, effectivement. Oui. Et il nous a livré un beau combat. Je sais pas, je ne sais Oh. pas. Il Il est est tombé mort face à en combat. de valeureux adversaires. Exactement. Je fais un petit clin d'œil. On va dire que vu qu'il est triste, il remarque pas le clin d'œil. Lars, lui, dévasté, vous voyez alors une femme s'approcher de lui et le prendre dans ses bras. En fait, vous reconnaissez d'une des photos qui vous a montré au début d'aventure que c'était sa fiancée, Rosalie, qui essaie de lui remonter le moral car son héros est mort. Et Lars s'approche de toi, Toruk, et toi, Geoffrey, il vous regarde, mais avec une détermination, et vous dit, chers aventuriers, vous avez quoi? J'en ai marre. Vous m'avez dégoûté. Je voulais devenir un héros auprès des gens. Vous m'avez traité d'incapable. Mon héros est mort. Et nous sommes dans. Il regarde, il sait pas quoi dire et il a du mal à trouver les mots. Il dit, une merde. Voilà, une merde. Ils craquent tous. Pas de soldats, nous n'avons pas Ils n'en de. peuvent plus. Et vous m'avez traité comme le pire des. Mais. Et en plus, vous avez envoyé un nain qui n'arrête pas de me casser la tête. Et vous voyez. Quand vous entendez mon nain, vous voyez le petit nain alors. Qui vous a bien énervé tout à l'heure après des villageois. Eh, salut, Krenos, vous êtes encore en vie alors?
Hey Lars, tu viens alors? J'ai un petit projet pour toi. On va tester une nouvelle arme pour l'armée. Je dis, j'ai pris une grande décision, aventurier. Vous m'avez ouvert les yeux. Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que les mercenaires et l'argent que ça compte. Mais j'ai appris une chose. Je suis bon pour soigner les gens. Donc, je crois que je vais devenir médecin. Je vais plus toucher une arme. Et s'il vous plaît, si vous avez des problèmes et que vous vous sentez mal, ne venez pas me voir. Débrouillez-vous. Tu sais. Pardon. Ah bah vas-y, vas-y, s'il a fini, j'ai un truc à lui dire. Il montre la femme qui vous a vendu les potions. Vous pouvez acheter des potions chez elle si vous vous sentez mal. Voilà. Bon, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Du coup, je me rapproche de lui, quoi. Alors, ouais, bon, on est là. Je me rapproche de lui, je le regarde droit dans les yeux, je lui tends ma main. Je lui tends ma main. S'il me tend pas sa main, c'est je prends sa main, mais tu sais pas, gentiment, je la mets dans la mienne. Je mets ma main sur sa paume, je fais, tu sais quoi, Lars? Ça fait plaisir. Parce que là, tu prends tes décisions à toi, tu vas faire le bien, je suis fier de toi, mon grand. Et je lui tape dans la main. Mais tu sais, pas, ouais, c'est bien un gamin. C'est vraiment bien joué. Couille. T'as des couilles, c'est cool. Voilà. Là, t'as réussi ta vie. C'est nickel. C'est sincère, je lui dis, mais le plus sincèrement du monde, en vrai. Puis je pleure un peu. Je suis ému. Donc il te serre la main et il sait pas quoi penser. En fait, tu vois son visage un peu qu'il est un peu heureux et en même temps un peu dégoûté et en colère contre les mots que tu viens de lui dire. Il sait pas trop quoi penser, mais il accepte ce que tu viens de lui dire. Ah, Il c'est vraiment sincère, hein, ce que je lui dis. Hein, serre ouais. Je me fous pas de sa gueule, mais pas la du main. tout. Donc, Bon, bah, pour une fois, moi, je serai pas contre une bonne nuit dans un bon lit. Oui. Qu'il reste une auberge Il dans en a rien à foutre. Et t'as retrouvé ton Oui. pantalon, toi, en fait? Tu nu? C'est quoi ton nom, putain? Oui, ton nom, on a là. Et regardez, villageois, vous voyez, je vous ai dit qu'ils étaient débiles, ceux-là. Ils demandent même pas le nom des gens, mais mal poli. Qu'est-ce que je viens de faire? Moi, je m'appelle Truc. Ah, d'accord. Ouais. Parce que je fais des Ah oui. machins. Machin Ah, truc. j'allais dire muche. Bref. Avez fait une grosse explosion alors? Ah oui. Oui. Vous auriez pas pu rester pour la voir de plus près? Non. Super. Moi, je dégage, ok. Je vais me faire quelques vivres. J'ai un peu de travail ici pour gagner du fric. Et ensuite, je retourne chez moi, d'accord? D'accord. Il regarde Toru. Et il regarde Toru qui aurait fait le geste de la main avec le petit doigt levé. Et mais sur la noblesse. J'espère qu'on se reverra plus parce que là, quand même, t'es pas très poli, toi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Casse-toi. Et il commence juste à se Casse-toi, barrer. casse-toi. Il se casse. Quel connard! Je réagis pas, je suis trop fatigué. Le maire vous dit, oui, aventurier, venez. Je vais discuter avec un des aubergistes pour que vous puissiez au moins dormir cette nuit sans frais. Par contre, la nourriture, ça, vous devrez être payé. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas assez d'argent. Bah, c'est l'argent. Suivez-moi. Et alors, pendant que vous marchez à travers le village, vous voyez alors ce magnifique paysage, vous voyez le soleil reprendre de la place dans le ciel, en train de battre tous ces nuages gris qui gagnaient le ciel. Vous voyez les fleurs peu à peu revenir, comme par magie. Et les arbres aussi regagner leur verdure normale. Vous avez sauvé alors toute la région. Et donc, oui. Je pointe du doigt le soleil et je fais, ah, le soleil renaîtra.
C'était pas le printemps reviendra, je sais plus. L'été renaîtra. Ah, c'était l'été renaîtra. Oui. Oh, je sais plus. Même là, tu vois, même là, je l'ai pas, tu vois. Le maire, il comprend pas trop. Ils sont très fatigués. Et donc, voici la fin de l'aventure, de cette aventure de la neige éternelle. Je vous remercie beaucoup pour cette aventure. Ben, merci à toi. Merci à vous. Merci à toi. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais. C'est dommage que vous ait pas plu vu la durée. Souffrance après souffrance. Oh la vache. Mais oh, mais sérieusement, je m'attendais pas à ce que vous tuiez le boss final aussi vite, moi. Ah bah ça tape. Hein. Ah, il y a des moments où vous avez tellement de difficultés, je me suis dit, bon, le capitaine est mordi, je vais le tuer, hein, ce sera sinon trop difficile. Ah non. Non, ça tombe bien parce que le capitaine, lui, il avait, celui que vous venez de tuer, il avait 5 sorts, il n'en a pu utiliser qu'un seul, c'est super. Alors, moi, sur... autant c'est fait avec la taxe, quand même. Ah ouais. Bah, le barbare... Ouais, surtout le berserker là, je savais pas que ça te tapait aussi fort que ça, je comprends mieux. Ah oui, ça tape. Mais sur les, enfin pour le scénario, sur les campagnes et les trucs comme ça, bon, quand il y a des zones d'ombre et tout, ça me dérange pas. J'avoue, sur les one shot, j'aime bien avoir après le petit petite explication. Ouais, voilà, la petite explication de un peu tout et les twists et tout ça. De quelle explication tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais que je t'explique? Ben, là, grosso modo, tout, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire les brigands et pourquoi le capitaine il était avec eux, avec nous, on ne sait pas. Il s'est fait torturer, mais c'est avec eux. Ouais, voilà. Ah, oui. Ah ouais, ce genre de truc, pourquoi le maire voulait tant cette clé, quoi. Ouais. En fait, sur les one-shots, ouais, j'aime bien. Si notre cher la rusée ne lui aurait pas dit ta gueule, et il aurait commencé. Ouais, je l'aurais coupé en deux avant, de toute façon, donc ça change rien. Alors, en fait, durant ce monologue, il allait vous expliquer que, comme je vous ai déjà dit durant l'aventure, il était déjà parti à la guerre. En fait, durant la guerre, c'était en fait un paladin qui croyait en la justice et la paix. Mais durant la guerre, il a vu tellement de choses horribles que ça l'a choqué à vie. Et vu qu'il vient d'un village si paisible, il se demandait quoi faire et quoi faire. Et un jour, alors qu'il était dans ce continent ennemi, en train de se battre, après l'une de ses batailles, il aurait rencontré quelqu'un. Il l'aurait pas dit. Il aurait juste dit quelqu'un de la noblesse de cet autre continent, du continent de Nurn, qui lui a proposé un moyen de finir cette guerre le plus vite possible avec le moins de dommages collatéraux, et que pour cela il lui donnerait toutes les ressources possibles, et que c'est pour ça et qu'il avait deux mages à ses côtés, qu'il lui aurait donné deux mages à ses côtés. Donc les deux mages travaillaient pour quelqu'un d'autre, mais cette autre personne lui a dit de travailler pour Grenon afin de réaliser son objectif. Donc, ce qui est simple, en fait, c'était qu'il y avait une vieille légende comme quoi un vieil homme qui avait atterri dans ce monde lors d'une de ses expériences, il avait créé un portail qui traversait les univers et il avait sans faire exprès atterri sur cet univers, en essayant de créer alors un portail pour revenir vers le sien. Le problème, c'est qu'il est quand même dans un univers qui n'est pas trop technologique. Il a réussi à en créer un, malgré lui, qui demandait beaucoup de sacrifices humains et beaucoup de pierres magiques. Il s'est rendu compte qu'en fait, le portail menait vers un monde isolé, rempli de neige, de glace, et de peut-être quelques créatures dangereuse, mais qui ne pouvait pas traverser le portail à moins qu'il ait atteint une certaine grandeur. Donc Grenon se serait mis à la recherche de cette machine, il l'aurait trouvée, il aurait même réussi à l'activer, mais il s'est rendu compte que la machine ne fonctionnait pas 100%, et que c'est pour ça qu'il n'y avait que
cette certaine région qui était remplie de neige et qui était isolée du reste du monde. C'est pour ça qu'il avait kidnappé notre amie Ina pour réparer la machine. Et il a découvert en fait qu'il fallait juste une petite pierre. Cette pierre qui avait été léguée de mère en mère dans le village. Les mères ne savaient pas d'où elle venait, bien sûr. C'était cet homme qui, après avoir s'être rendu compte qu'il avait échoué et qu'il avait tué quand même pas mal de gens pour le faire, il s'était rendu compte qu'il était un monstre, avait créé cette clé, donnée au maire de ce village qui s'était toujours occupé de lui et avait décidé de vivre une vie paisible. Et oui, en fait, Grenon avait alors décidé de tuer tout le groupe d'extermination, d'affaiblir le village afin d'avoir cette clé. Il voulait la voler au début, mais le maire l'a envoyée avec la clé parce qu'elle portait bonheur à ce qu'on disait. C'est pour ça que le village était si paisible, d'après les légendes. Et après avoir tué tout le groupe d'extermination, l'un des bandits qui observait la route vous avait vu et l'avait prévenu de votre venue. Et a donc décidé de faire semblant d'être un prisonnier et de se faire torturer, mais c'est quand même pris quelques patates, pour vous infiltrer et pour savoir qui vous étiez, à quel point vous étiez dangereux et qu'est-ce que vous saviez sur ces plans. Et oui, bon, vu qu'il pouvait pas faire tout seul, même s'il avait deux mages à ses côtés, à un moment, vu qu'il était quand même le protecteur de cette région, il était tombé sur ce capitaine des bandits, qui n'avait plus personne sous ses ailes, et il a passé un marché avec lui en lui disant, écoute, je te promets toutes ces terres, plein de richesses, si tu arrives à trouver des hommes et que vous travaillez pour moi. Et après, bon, vous êtes venu et vous avez tout capoté. Du coup, pourquoi il est resté convaincu qu'avec la machine, il allait résoudre les guerres? En fait, la machine, vu leur continent, en fait, est réputée pour leur agriculture. Ah. Or, quand il neige, on ne peut pas s'occuper de l'agriculture. Donc, s'il aurait réussi sa mission, le tout continent aurait été enneigé, il n'aurait eu plus aucune nourriture, et les armées n'auraient pas eu d'autre choix que d'abandonner la guerre et de se rendre afin de sauver le plus de personnes possible. D'accord. D'accord. Mais Donc il a quand voici. même tué plein de gens avec sa bête, du coup. Et quoi? Parce que le début de l'histoire, c'était qu'une bête tuait plein de gens dans les villages, donc il a tué des gens de son village. Oui, il envoyait les gens tuer, les mages tuer des gens pour les ramener pour alimenter la machine. D'accord. Oui. Mais pour lui, ce qui est. Parce que si vous auriez argumenté avec lui et dit ça, il vous aurait dit oui, c'est vrai, je suis quelqu'un d'horrible, mais en faisant ces quelques sacrifices, je sauve des milliers de personnes dans mon futur. Oh, j'ai bien fait de lui dire ta gueule. Oui, donc c'était ça son objectif. Et donc oui, c'était à Paladin, mais vu que il avait juré de faire tout pour maintenir la paix et d'être quelqu'un de juste, bah forcément, il a tué des gens, il n'a pas gardé la paix et n'était pas quelqu'un de juste, et est devenu un paladin par jure. Donc il avait des sorts pas très sains. C'était quoi, c'est ça? Oh là là. Alors, j'ai juste les noms en anglais par contre. Donc il y a Crown of Madness. En fait, il aurait pu faire de l'un d'entre vous son zombie. Son? Sans zombie. Son, en quelque sorte, son Oh zombie. putain, alors Et il ça aurait c'est fait un grave. lavage de cerveau, donc t'aurais attaqué ton pote. Mais le truc, c'était, et c'est quand même que c'est un sort assez spécial, parce que s'il ne te donne pas d'ordre, tu peux quand même l'attaquer lui. Ah oui, d'accord, c'est Ouais. pas fusion, quoi. Voilà, donc le sort que j'ai dit tout à l'heure pour que vous ayez peur. Peur. Inflict Wounds, donc pour faire des dommages nécrotiques sur une de ses attaques. Il y a. Comment ça s'appelle?
Ah oui, Hellish Rebuke. C'est un sort, en fait, j'ai hésité à l'utiliser sur toi, Geoffrey. C'était pas le dernier qui l'avait attaqué. Parce qu'en fait, le dernier qui l'attaque, il pointe juste son doigt vers cette personne et il y a une colonne de flammes qui apparaît sous ses pieds. Donc, tu m'aurais fait un jet de sauvegarde si tu l'aurais réussi. J'aurais fait un jet de 10 de dégâts. Et si tu l'aurais pas réussi, 2 jets de 10 de dégâts. Ça et. Comment il s'appelle? Oui, Darkness, il aurait créé une sphère d'ombre autour de lui. Mais il aurait en fait utilisé ça sur un objet. Donc cet objet était en fait le milieu de cette sphère. Donc s'il aurait utilisé sur son épée, partout où aurait été son épée, 15 mètres autour de l'épée, ça aurait été les ténèbres totales.